Bonjour à tous, voici l'Esprit public sur France Culture, un autre regard sur l'actualité politique et géopolitique de la semaine. Nous avons toujours la joie d'être accueillis par l'Espace Cardin, Théâtre de la Ville, filmé en direct sur la chaîne YouTube du théâtre pour entendre et voir, bonheur supplémentaire, nos quatre visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la philosophe Monique Cantos-Perber, la journaliste Christine Ockrent, l'économiste Julia Cagé et le politologue Dominique Régnier. Au sommaire de ce dimanche 24 janvier, 66 millions de procureurs, quel esprit français, et de Trump à Biden, quelle accalmie mondiale. C'est l'histoire d'un déplacement présidentiel qui n'aurait dû donner lieu qu'à des commentaires autour des mesures annoncées ce jour-là. 1,8 milliard d'euros pour installer la France sur le podium des nations à la pointe de la recherche quantique et démontrer par là que l'État investit encore dans le temps long et les secteurs d'avenir en dépit de la crise sanitaire, mais aussi trois propositions pour répondre au malaise effarant d'une partie de la jeunesse française à l'heure du Covid, l'accès à deux repas par jour pour 1 euro dans les restaurants universitaires, la possibilité d'assister physiquement au cours un jour par semaine et un chèque psy pour les étudiants en détresse qui souhaiteraient consulter un psychothérapeute. Sauf qu'entre-temps, l'une de ces petites phrases, à la fois anecdotique et signifiante, dont nos présidents semblent avoir le secret et dont nous autres médias nous emparons avec délectation, a soudain tout emporté sur son passage, le chef de l'État déplorant en France une culture de la critique et de la défiance permanente, résumée par la formule « 66 millions de procureurs ». Le genre de petite phrase dont on se demande toujours après coup si elle a été pensée pour susciter un débat, rappelant les Amish, le pognon de dingue et autres traverser la rue pour trouver un boulot. Une petite phrase qui, selon les proches du chef de l'État, voulait souligner l'importance du faire sur le commenter, valoriser ceux qui font progresser au lieu de chercher l'erreur. Petite phrase jugée insupportable par tous ceux qui considèrent que les Français n'ont pas tant cherché l'erreur depuis le début de la crise sanitaire que civiquement respecté les consignes et enduré les restrictions. À la veille d'une semaine où nous pourrions revoir de nouveau le chef de l'État à la télévision nous annoncer un troisième confinement, un sondage d'opinion paru dans Les Échos semble indiquer pourtant une moindre acceptation. 72% des Françaises interrogées s'attendent à être reconfinées, mais 41% seulement le souhaitent. Et le journal du dimanche ce matin évoque la flambée du hashtag « Je ne me confinerai pas » sur Twitter. Une nouvelle phase, sans doute, de cet esprit français qu'il est toujours risqué de vouloir définir, particulièrement lorsqu'on est président. Cette stratégie, elle assume aussi la part de risque et d'erreur. Et je le dis parce que ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Chacun fait des erreurs chaque jour. Celui qui ne fait pas d'erreur ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui ou qui ne cherche pas ou qui ne fait rien, ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille. Nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes qui cherchent, qui ont la capacité à inventer ce qui n'est pas encore perceptible, et à se tromper. Monique Cantos-Perber, juridiquement et symboliquement, qu'est-ce qu'un procureur? Quelque chose me dit que vous êtes la bonne personne pour nous le rappeler. Est-ce que les Français ont en effet le don, comme a l'air de le dire le président, de faire des procès systématiques à ceux qui les dirigent? En tout cas, la formule assez imagée dont s'est servi le président de la République a dû désespérer ses communicants. Et surtout, ce n'était pas du tout en phase avec la circonstance et avec le ton adopté pour ce discours qui était plutôt tourné vers l'avenir, l'espoir que donnent les mutations technologiques, la confiance en la jeunesse, etc. Mais si vous voulez, alors, puisque vous m'interrogez sur les procureurs, je voudrais prendre un peu de recul. Et alors, on connaît bien sûr la phrase de Montesquieu, hein, les peuples ont le pouvoir qu'ils méritent. Mais là, on pourrait aussi l'inverser, c'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est le pouvoir qui fascine en partie les peuples. Et là, je pense qu'il est vrai que la société française est une société de défiance. De nombreuses études ont permis de l'établir, mais c'est aussi une société où beaucoup de citoyens sont déçus. Et c'est inévitablement en phase avec le type de promesse politique qui a été faite au début de cette séquence depuis 2017, depuis l'accès d'Emmanuel Macron au pouvoir, qui était quand même une séquence qui était ouverte sous le signe de la promesse. On promettait beaucoup, on promettait de régénérer la France,
de procéder à une véritable fondation. On promettait de créer une société où chacun d'entre nous serait des start-upers, en quelque sorte, exploitant les atouts personnels. Bon, tout ça, ça correspondait à une petite partie de la société, mais évidemment pas à tout. Et de très nombreuses couches sociales ou catégories sociales se sont senties assez vite reléguées et laissées sur le côté. Et puis surtout, il y a quand même eu un positionnement du gouvernant par rapport au peuple. C'était à certains moments une rhétorique qui installait le face-à-face entre un chef et son peuple. Et d'une certaine manière, il est inévitable qu'étant donné ce type de structuration de la parole politique et de l'action politique, les réactions soient très vives en cas de déception ou de constat d'insuffisance. Et depuis le début de cette terrible crise, vraiment... notre président a traversé plusieurs crises qui sont particulièrement inédites et inattendues. Donc, il est sûr qu'on n'a pu que constater des défaillances, ne serait-ce qu'en matière de distribution de masques, de tests, de vaccins, puisque maintenant, c'est ce qui échauffe les esprits. Mais juste un mot donc, pour conclure sur la légitimité de la critique politique. Des procureurs, non. Enfin, encore que le procureur sont censés faire une enquête avant de requérir et que les citoyens s'informent, c'est une bonne chose. Mais je vais encore citer Montesquieu, si vous le permettez. Si dans l'État, vous n'entendez le bruit d'aucun conflit, vous pouvez être sûr que la liberté n'y est pas. La première forme de la liberté politique, c'est la critique informée des gouvernants. Rappelons en effet ce qu'il en est. Ce qu'il en est, les gouvernants sont nos représentants. C'est-à-dire que nous leur déléguons notre souveraineté. Et d'une certaine manière, ils sont inévitablement sous notre surveillance. Alors, pas une surveillance tatillonne, hargneuse. Et le président de la République a été l'objet de critiques et de déclarations qui étaient tout à fait inadmissibles. Mais une surveillance et une critique active, elle est tout à fait nécessaire. Et c'est bien naturel. Tous les citoyens, certains d'entre nous, connaissent beaucoup mieux, ont de meilleures informations que ceux qui nous gouvernent. Ils connaissent beaucoup mieux les questions. Ils ont des idées de solutions qui sont peut-être meilleures que celles des gouvernants. Ce que nous n'avons pas en tant que citoyens, bien sûr, c'est le point de vue de la totalité. Ça, c'est uniquement les représentants, nos représentants à l'Assemblée et tous ceux qui, et bien sûr le gouvernement qui peut l'avoir. Mais il reste qu'il y a un véritable enjeu démocratique à restaurer la critique de la grandeur politique. Parce que lorsque le citoyen a la possibilité de formuler son opinion, de suggérer d'autres choses et inévitablement de critiquer, eh bien, d'une certaine manière, il a le sentiment d'être parti à la décision qui résultera éventuellement du débat public. Cette conviction de participation qui se fait le plus souvent dans une critique informée, est fondamentale parce que c'est ce qui, en quelque sorte, oblige chacun de nous ensuite à adhérer aux décisions prises. C'est ce qui rend l'obéissance légitime. Et vous laissez bien de commander, et dans tous les... Et même le plus libéral des gouvernements, il faut évidemment un chef et une structure qui est à la tête. Mais précisément en raison de cette positivité de la critique comme forme de la participation politique, il faut commander de telle manière que l'obéissance soit légitime, qu'on ait le sentiment de s'accomplir comme citoyen en même temps qu'on obéit et qu'on reste d'une certaine manière un citoyen libre. C'est essentiel et pour ça, la critique est bonne. Christine Ockrent, est-ce que vous considérez que c'est une parole présidentielle qui s'échappe, qui n'aurait pas dû être prononcée et que ce débat, en effet, n'aurait pas dû avoir lieu ? Pour paraphraser le titre d'un livre écrit à propos du prédécesseur du président Macron, un président ne devrait pas dire ça. Il est vrai que cette formulation est choquante. On comprend pourquoi il le dit, d'une certaine manière, parce que reconnaissons-le, tous les jours, nous nous disons, mais quand même, comme si nous n'en faisions pas partie, nous disons les Français sont insupportables. Ils sont contre le vaccin et ils se précipitent, etc. Il y a toutes sortes de pulsions contradictoires qui s'expliquent et qui s'expriment dans une période de tels troubles individuels et collectifs. De la part du président de la République, et pour aller tout à fait dans le sens de Monique, il me semble plus prosaïquement, et sans citer Montesquieu, que cela prouve à quel point il se sent sur la défensive. Qu'il ait fait des promesses, c'est le propre de tout homme ou de toute femme politique se présentant au suffrage.
enfin tous les présidents de la République, depuis qu'ils sont élus au suffrage universel direct, font des promesses. Ce serait d'ailleurs, sinon amusant, en tout cas édifiant, de les cataloguer en quelque sorte, et on verrait bien sûr à quel point les promesses se ressemblent à chaque fois. Mais ce qui me semble préoccupant dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est qu'encore une fois, cet homme qui incarne à la fois la jeunesse, le volontarisme, une forme de pragmatisme, se sent tellement acculé à expliquer ce qu'on a fini par comprendre, c'est qu'il faut accepter que le pouvoir ne sait pas. Et c'est en fait ce qu'il exprime dans l'extrait que vous avez diffusé. Une fois qu'il a dit « bon, les procureurs », mais en fait, il dit « voilà, il faut accepter le fait que nous ne savons pas ». Et ça, c'est évidemment extrêmement difficile pour chacun. Et c'est ce qui me semble, dernier élément, parce que c'est là où, me semble-t-il, nous sommes tous contradictoires entre les pulsions de l'opinion publique en France, c'est que j'observais le dernier sondage de popularité. Il semble que le président bénéficie de 2 points supplémentaires. Il serait à 40% d'opinion favorable, c'est-à-dire un taux plus élevé que chacun de ses prédécesseurs au même moment de son mandat. Donc oui, nous sommes tous des procureurs, mais d'une certaine manière, on accepte le fait que celui qui a été élu, en fait, ne sait pas et tâtonne. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais pas, ou alors qui aurait pu vous inspirer aussi, Monique Cantos-Ferber. Je vous donne la parole dans un instant, Julia Cagé. Mais au-delà de ça, et peut-être en effet plus prosaïquement, Dominique Régnier, est-ce qu'on n'assiste pas tout simplement à une très grande fatigue sociale, sociétale? Et dans cette société, il y a à la fois les gouvernants et les gouvernés qui font que les présidents qui souhaiteraient parler d'avenir en réalité prononcent des phrases qui les enferment dans la polémique du temps présent. Quant aux gouvernés, prenons l'exemple de ce sondage dans le journal du dimanche ce matin, ils savent qu'ils vont être reconfinés, mais ils disent qu'ils ne le souhaitent plus. Nous sommes tous ramenés en ce moment à notre effroi, à notre épuisement et donc à nos contradictions. Oui, vous pointez un élément clé. On sent bien collectivement, individuellement, que nous arrivons à un point de lassitude, vous avez utilisé le mot, d'usure, qui rend la situation, me semble-t-il, je rejoindrai votre analyse, Émilie Aubry, qui rend la situation à partir d'aujourd'hui, en tout cas moi j'en tirerai cette hypothèse, extraordinairement incertaine en ce qui concerne la recevabilité par l'ensemble de la société des consignes qui vont lui être adressées. Et en même temps, de l'autre côté, la situation de crise, chacun le sait, donc il n'est pas nécessaire de développer ce point, est historiquement inédite. Ni les scientifiques, ni les politiques, a fortiori, puisqu'il s'agit d'une crise sanitaire, ni les scientifiques, ni les politiques n'ont la compréhension, l'intelligence de la crise qu'ils doivent gouverner, ce qui est une situation radicalement déstabilisante. Et on a un risque, au fond, de rupture, je dirais, entre le commandement de ce qu'il faut faire, qui peut être d'ailleurs un commandement bienvenu, par exemple, dans l'hypothèse où il y aurait un reconfinement, à supposer que ce soit validé par les scientifiques, mais qui ne serait plus accepté par les citoyens, ou en tout cas une part significative, lesquels citoyens n'acceptent pas non plus le risque du déconfinement. Parce qu'il y a là une plus grande difficulté encore, c'est que nous voulons retrouver notre liberté sans perdre nos assurances. Nous voulons retrouver notre liberté sans perdre la garantie que nous ne serons pas malades, et que si nous sommes malades, ce ne sera pas très grave, et que si nous sommes soignés, ce ne sera pas coûteux. Et donc c'est cette espèce de demande qu'on peut trouver, moi j'appelle ça un désir en fait, pas un point de vue, c'est un désir où il n'y a pas de contradiction, où on peut avoir des éléments qui ne s'agencent pas entre eux et en faire une sorte d'exigence. Et ce que je trouve regrettable, mais je suis heureux que vous l'ayez dit en introduisant le thème, Émilie Aubry, ce que je trouve regrettable, c'est que ce mot qui est très malvenu de procureur, parce qu'il aurait pu dire commentateur, il aurait pu dire accusateur, mais ce n'est pas 66 millions de toute façon. C'est un mot maladroit. Je crois qu'il a confondu l'espace public et le jugement public. Les sondages le montrent. Mais ce qui est tout à fait malheureux, c'est que, vous l'avez dit, moi je veux le répéter, c'était à l'occasion d'un discours qui annonçait une grande nouvelle.
Moi, je m'en suis réjoui. Le plan de 1,5 milliard d'euros pour l'ordinateur quantique, c'est absolument majeur pour un pays comme la France. C'est très stratégique et ça s'inscrit dans le prolongement du plan mathématique qui a été mis en place en 2018. On est sur une grande politique publique tout à fait centrale qui parle à l'avenir, qui prépare l'avenir, et ça passe à côté parce qu'effectivement, on a cette espèce d'hypersensibilité, de susceptibilité qui est, je termine là-dessus, qui est une autre expression de cette fatigue, de cette nervosité collective qui devient maintenant effectivement une sorte de grande préoccupation. Ça dit en effet quelque chose symboliquement, Julia Cagé, qu'il y ait cette parole présidentielle qui s'échappe au moment où il s'agissait en effet de parler en principe de l'université, de la jeunesse, donc de l'avenir. Et ce qui veut dire que ce grand débat qui devait avoir lieu sur l'avenir, c'est-à-dire sur la recherche et sur la jeunesse française, une nouvelle fois, il n'a pas eu lieu. Bah, Emmanuel Macron, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas préparé tout au long de ce quinquennat l'avenir de nos jeunes et l'avenir de la recherche française. Et cet investissement qui a été annoncé, s'il est important, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est le recul des investissements faits pour l'université française, au-delà même de la problématique du confinement de nos étudiants qui n'ont plus accès à leur amphi. Je pense que ce qu'il ne faut pas sous-estimer, ce que nous dit en fait cette petite phrase d'Emmanuel Macron, qu'elle soit spontanée, année ou qu'elle ait été préparée par ses communicants, c'est toute la difficulté qu'a le président de la République avec la notion même de démocratie. Alors souvent, il va convoquer la convention citoyenne, le tirage au sort, pour faire comme si finalement c'était un président moderne qui voulait faire appel à des formes nouvelles de démocratie participative. Mais quelle est la réalité d'Emmanuel Macron, président de la République ? On est... Alors c'est en partie dû à la crise sanitaire, mais c'est pas la même chose dans tous les pays. On est depuis plusieurs mois et en fait depuis plusieurs années avec les problématiques terroristes en état d'urgence permanent. On est dans une situation où l'opposition a extrêmement peu de place au Parlement pour pouvoir s'opposer, avec un recours sans cesse à la procédure accélérée qui réduit finalement les droits de l'opposition au Parlement. On est dans une situation où le mouvement social ne permet plus finalement aux citoyens de se faire entendre. Vous avez eu des mouvements sociaux extrêmement forts qui n'ont débouché sur absolument rien. La dernière preuve en a été le mouvement social contre les retraites. Il y a encore quelques années, quand vous aviez une opposition citoyenne majoritaire et très forte à telle ou telle réforme, le fait d'aller dans la rue et de pouvoir s'exprimer en fait par la rue était une manière de se faire entendre. Ça a disparu dans la pratique actuelle de notre démocratie. On est dans une situation où il y a deux lois dont on parle un peu moins, une qui vient de passer, l'autre qui est en discussion. La loi dite de sécurité globale et la loi contre le séparatisme, qui sont des lois qui contiennent des dispositions extrêmement fortes en termes de réduction de nos libertés, qui sont des lois qu'on pourrait qualifier de liberticides. Donc ça, c'est la pratique d'Emmanuel Macron au pouvoir, et qui sont des lois qui viennent également réduire finalement la liberté et les droits des médias. Si on prend maintenant la question des médias, on est quand même... alors ça, c'est pas propre à Emmanuel Macron, c'est une pratique de la Ve République, mais on a une Ve République en France où le président de la République n'est jamais confronté à l'exercice du débat politique public et à l'exercice de l'interview. Vous n'avez pas de conférence de presse avec des questions contradictoires de la part des journalistes qui viendraient interroger le président de la République. Alors de temps en temps, il fait des petits coups d'éclat. Le dernier, d'ailleurs, c'était très bien pour les médias concernés. Hein, ça a été d'aller s'adresser à des médias relativement plus jeunes, et tant mieux. Mais c'est lui qui a décidé d'aller sur Brut, comme il avait décidé au début de son quinquennat de se faire interviewer par Edwy Plenel et Jean... Enfin, Bourdin, dont j'ai oublié le... Jean-Jacques Bourdin, dont je m'excuse, dont j'ai oublié le prénom. Mais c'était lui qui l'avait décidé. D'ailleurs, il avait dit « je reviendrai l'an prochain », puis il a décidé aussi de ne jamais revenir. Et c'est extrêmement problématique, finalement, d'avoir un responsable politique qui, finalement, ne s'exerce jamais à l'exercice de la mise en question de sa responsabilité, simplement dans le débat avec des journalistes. Et je voudrais finir en citant un excellent livre qui vient de sortir ce mois-ci de Myriam Revaud-Dallone, qui s'appelle « L'esprit du macronisme », et qui montre à quel point Emmanuel Macron met en avant des termes et des notions, à commencer par celle d'autonomie et celle de responsabilité, qu'il a entièrement détournées finalement de leur signification. Mais pour quelqu'un qui veut responsabiliser l'ensemble des Français, il faudrait commencer par le principe même de la responsabilité d'un élu en démocratie, c'est d'être responsable en face des citoyens.
Il y a ce refus de la part d'Emmanuel Macron. Moi, je trouve ça, on parle de défiance des Français, moi, je trouve ça plutôt sain, finalement, qu'on s'interroge sur la gestion de la crise, la gestion des masques, la gestion des vaccins, qu'on ne soit pas un peuple, finalement, complètement mou ou apathique, qui accepterait toutes les décisions qui sont prises. Le problème, c'est qu'on a un exécutif qui refuse d'être interrogé, qui refuse d'être mis en question. Et on l'a vu avec la formule d'Emmanuel Macron, hein, mais il suffit d'aller écouter Olivier Véran quand il est interrogé par des parlementaires à l'Assemblée nationale. Il refuse absolument toute critique, donc il refuse l'exercice même du jeu démocratique. Christine Ockrent, vous qui avez vu passer un certain nombre de présidents de la République, et pour citer peut-être une nouvelle fois Montesquieu et l'exercice des contre-pouvoirs, est-ce que vous avez le sentiment que cet exercice des contre-pouvoirs, il se pratique en effet moins bien sous ce président-là que sous ses prédécesseurs ? Non, je ne suis pas du tout d'accord, parce que je crois que les contre-pouvoirs sont très différents de ce qu'ils étaient sous François Mitterrand, pour prendre... Je vous rassure, je... Vous n'allez pas remonter non plus. Non, je ne remonte pas à la Troisième République. Les contre-pouvoirs ont totalement changé de nature. À partir du moment où le débat public s'est élargi, ne serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux, et où, en fait, le tintamarre de l'opinion, le tintamarre de la discussion... ou du débat, ou plus exactement du choc entre, finalement, des silos d'opinions qui ne dialoguent pas entre eux. C'est le drame des réseaux sociaux, c'est que chacun reste dans sa tour, mais ces tours sont de plus en plus peuplées, de plus en plus nombreuses. Et donc, il me semble que le pouvoir, les pouvoirs, quels qu'ils soient, et pas seulement le pouvoir exécutif, sont soumis beaucoup plus qu'auparavant à un jugement perpétuel de l'opinion publique dans son bouillonnement. Et ce n'est pas propre uniquement, bien évidemment, à notre système démocratique. Quant à l'exercice parlementaire, Julia Cagé faisait allusion à Olivier Véran, effectivement exaspéré, perdant ses nerfs. D'après ce que j'avais pu lire ensuite, il sortait d'une visite dans un hôpital face, évidemment, à des parlementaires qui étaient là assez tranquillement assis. Bon, il y a aussi, je crois, l'émotion et la fatigue de chacun, et ce n'est pas la première fois qu'on a vu, même dans l'enceinte d'un Parlement, ce genre de péripéties. Mais j'en reviens à ce sondage de popularité. Comment peut-on dire que, d'un côté, les Français reprocheraient très, très largement à ce président de la République, si, de se soustraire sans arrêt à la critique, alors que, semble-t-il, 40% d'entre eux continuent à considérer que dans les aléas d'une crise dont Dominique Régnier décrivait fort bien les contradictions, ce besoin perpétuel qu'on a de se plaindre de l'État tout en réclamant que l'État nous protège de tout. C'est une contradiction de plus, mais je ne crois pas non plus que le fait de se soumettre à M. Edoui Plenel et à M. Bourdin, ce qui ne me semble pas que c'était non plus d'un point de vue journalistique. Merci, c'est gentil, j'espère que ce sera entendu. Cette invitation est formulée à 11h23 dans l'esprit public sur l'exercice lui-même, souvenez-vous, il me semble qu'on en avait discuté ici même, Émilie, dans cette émission, l'exercice lui-même ne correspondait plus tout à fait, m'a-t-il semblé à l'époque, à ce qu'on attend aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a une transformation profonde et qui pose toutes sortes de problèmes. Oui, comment faire en sorte que le président soit à même d'expliquer, de s'expliquer dans un tribunal permanent qui vit à la vitesse électronique. En fait, c'est la vitesse qui a changé, la vitesse de réaction de l'opinion. Monique Kantosperber, je ne sais pas si vous vouliez répondre justement sur la possibilité de l'exercice de ces contre-pouvoirs autant d'Emmanuel Macron et du Covid, ou si vous vouliez aussi nous parler de l'université qui aurait dû être le débat cette semaine, l'université à savoir et le personnel enseignant et le mal-être de cette jeunesse et de ces étudiants dont on ne cesse de parler. Le fait est qu'on ne commentera pas ces annonces qui ont été faites cette semaine et qui répondent à un malaise dont on sait à quel point il est grave ces dernières semaines et ces derniers mois. Oui, tout à fait. C'est une question essentielle, mais pardonnez-moi, je ne résiste pas à la tentation de dire un mot sur les contre-pouvoirs. Le contre-pouvoir n'est pas nécessairement le pouvoir qui s'oppose au pouvoir.
n'est pas nécessairement une critique ou une demande de limitation, voire un empêchement. C'est un pouvoir qui participe également. Ce sont des pouvoirs, à côté du pouvoir politique, qui participent à la construction des décisions. Et c'est là que le bât blesse, en effet. Je ne suis pas nécessairement très, très favorable à cette interpellation constante par l'opinion, mais d'un autre côté, il est impossible de ne pas constater que la participation à la décision politique est considérablement affaiblie. Le rôle du Parlement est amoindri, certainement. Dès qu'on gouverne par ordonnance, c'est ainsi qu'il en est. Mais le rôle des collectivités territoriales aussi, de tous les représentants, des corps intermédiaires, est affaibli. Et ça, c'est un peu dommage, ce qui pourrait laisser penser, en effet, que les corps, les contre-pouvoirs sont moins puissants qu'ils l'ont été à d'autres époques. Mais enfin, j'en viens à une question vraiment fondamentale, qui est celle de l'université, je dirais même de la jeunesse. Et si vous voulez, je voudrais donner quelques chiffres, parce que jeunesse et université, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on prend la tranche d'âge 18-25 ans, il y a environ 5 600 000 jeunes de 18-25 ans. Alors quand vous incluez les familles et tous ceux qui sont proches de ces jeunes, ça fait quand même une part très importante de la population qui est véritablement inquiète en ce moment de l'avenir de cette jeunesse. Les étudiants, proprement dit, toutes filières confondues, c'est 2 700 000. Alors cette jeunesse, elle est particulièrement frappée aujourd'hui. Bien, pourquoi ? Parce que ces années-là sont des années où on construit des atouts pour l'avenir, où on se prépare à progresser, on acquiert les éléments de toute sa vie professionnelle future. C'est aussi l'époque où, pour la dernière fois, on a une chance peut-être de remettre en cause les assignations sociales et ce déterminisme social effroyable qui sévit dans le système scolaire, de rebattre les cartes en quelque sorte. Et précisément dans ces années où on a constamment besoin d'aller vers l'avant, cette jeunesse se trouve immobilisée, arrêtée sur image depuis déjà un an. Et c'est une perte de chance dramatique et qui est évidemment très durement vécue par les étudiants, une part importante, 2,7 millions, c'est beaucoup, et parmi les étudiants, surtout par les étudiants qui sont dans les filières universitaires, et ils sont environ 1,7 million. Alors, eux prennent de plein fouet, d'abord une relative ignorance de la part de notre gouvernement. Discours du 6 janvier, il n'a pas du tout été question de la jeunesse, en particulier pas de la jeunesse étudiante. Et puis, ils sont un peu culpabilisés, incriminés, infantilisés, on leur reproche de faire des fêtes, de se réunir dans des bars, et toutes sortes de choses qui, étant donné leur détresse actuelle, sont particulièrement malvenues. Par ailleurs, les annonces qui ont été faites concernant les universités depuis quelques mois sont totalement chaotiques. On ferme les universités, ensuite on les ouvre, on autorise la venue des étudiants fragiles, mais nul ne définit ce qu'est un étudiant fragile. Aujourd'hui, bon, des mesures tout à fait bienvenues, hein, le fait de leur permettre de revenir une journée en cours, les deux repas à un euro par jour pour tous les étudiants, ça c'est une très bonne chose. Bon, le chèque psy, qui est vraiment je trouve ça très paternaliste, si vous voulez. Mais retirons les étudiants de cette espèce de détresse existentielle et de pauvreté et de précarité extrême où ils sont, et à eux de voir ce qu'ils font d'un chèque, si c'est pour le psy ou si c'est pour autre chose. C'est à la personne de décider. On n'a pas à les coucouner et à les... de cette façon-là. Enfin bon, peu importe, l'intention est bonne et je ne vais certainement pas faire ce type de reproche. Mais pour revenir aux étudiants, je voudrais quand même insister sur le fait que cette crise est un extraordinaire révélateur des inégalités au sein de la jeunesse, surtout parmi les étudiants, une double inégalité. Bon, déjà par rapport aux différentes filières de formation, ça va de soi, puisque les classes prépa, les STS, les sections techniques hébergées par les lycées, tout ça continue à fonctionner normalement. Alors je n'ai rien contre la différenciation de l'enseignement supérieur, hein, je suis favorable à ça, mais pas une différenciation qui est source d'inégalité à ce point, ça j'y suis totalement opposée. Cela dit, tu as juste mentionné que pendant le premier confinement, même les élèves en classe prépa n'avaient plus cours. Oui, ils n'avaient plus cours, oui, vous avez tout à fait raison de le préciser, et j'insisterai sur le fait aussi que les étudiants d'université sont, quand on regarde les données sociologiques, évidemment issus majoritairement de milieux beaucoup plus défavorisés que les étudiants des filières sélectives. Et pour eux, par exemple, dire que les universités ouvriraient au mois de septembre, ça a été une chose terrible parce qu'ils ont investi, leur famille a économisé sans doute pour louer une chambre ou des choses comme ça. Ouais. Et ensuite, on ferme l'université. Alors, c'est une véritable catastrophe. Non, mais juste rapidement, parce que Dominique Régnier, qui est enseignant, veut aussi vous répondre. Et Julia Cagé. Il faut pas juste un point. On vous laisse très brièvement conclure. Allez-y, il faut laisser du temps aux autres. La précision que vous allez apporter sera certainement bienvenue. Mais laissez-moi terminer mon raisonnement. Je voulais juste insister sur le fait que, comme disait l'autre, on ne peut pas laisser passer la chance d'une crise. Il y a deux programmes de travail.
réfléchir à ce qu'est aujourd'hui l'université, au partage optimal entre présence et les cours à sein d'université et la manière dont l'université peut déployer son enseignement, y compris par des moyens électroniques, si vous voulez. C'est un véritable constat d'échec de l'utilisation que les institutions françaises ont fait jusqu'à présent des moyens numériques. Tout ça est à repenser. Et l'autre chantier considérable et extraordinaire, c'est faire en sorte que l'enseignement supérieur donne à tous les jeunes vraiment une chance d'avenir. Aujourd'hui, il n'est pas véritablement conçu pour ça. Et ça, c'est un travail qui est entièrement à reprendre après les grandes réformes de 2007. Dominique Régnier, alors vous allez répondre sur deux points précis. Est-ce que vous partagez l'analyse de Julia Cagé et de Monique Kantosperber que, en effet, sous le quinquennat Macron, rien n'aura été repensé pour l'université, la recherche et donc les étudiants français, et sur la façon spécifique qu'a l'université française de gérer cette pandémie, cette crise sanitaire? Je veux d'abord dire qu'il m'arrive souvent de suivre dans son raisonnement Monique Kantosperber, mais là, pas du tout. On ne peut pas parler en ces termes de la gestion si difficile d'une pandémie sans précédent dont même les médecins ne connaissent pas les évolutions. Je ne veux pas développer le point, on n'a pas le temps, mais les variants, etc. La dangerosité, la propagation, la gestion dans les hôpitaux des flux. Enfin, c'est absolument impossible de laisser penser que quand on a dit qu'on allait ouvrir en septembre, il suffisait d'ouvrir en septembre parce que les choses n'ont pas changé. C'est extraordinairement compliqué, on le voit bien, il y a une incertitude constante. Sur la question de l'enseignement, je suis d'accord pour constater, et on ne peut pas faire autrement, qu'il y a une inégalité entre les institutions, l'université et le reste des établissements d'enseignement supérieur en particulier, mais simplement, ne pas avoir de cours, c'est pire qu'avoir des cours en ligne. Moi, je fais, comme tous les profs, des cours en ligne depuis pratiquement un an maintenant. Je n'ai pas vu d'étudiants réellement depuis un an, comme tous les profs. C'est terrible, terrible pour les étudiants d'abord. C'est pas bien du tout pour les enseignants, mais ce sont quand même des façons qui permettent de faire un peu cours. Moi, j'insisterai plutôt sur un point ici, c'est que ces outils numériques, Teams, Zoom, Google et autres, ils ne sont pas du tout européens, ils ne sont pas du tout sous notre contrôle, et que si nous avions la combinaison d'une crise sanitaire et d'une crise numérique, là, on n'aurait plus rien du tout. Rien de ce qui nous affecte désormais, on le voit sur le plan sanitaire avec les vaccins, avec les éléments constitutifs, même pour les tests, on doit importer tous les éléments, rien ne nous permet de nous défendre contre de telles difficultés. Et puis, je conclue, parce qu'on n'a pas le temps, mais je conclue sur une remarque sur l'enseignement supérieur. Non, il y a des choses qui sont faites. On peut pas. Il faudrait prendre des objets précis et pas avoir une discussion générale. Mais il y a des choses qui sont faites. Par exemple, le projet de loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, 25 milliards. C'était ça qui était. Vous allez nous donner vos précisions, Julia Cagé, dans un instant. C'est le chiffre que l'on peut trouver sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, que vous allez nous détailler encore une fois. Est-ce qu'il est en soi à la hauteur? Quel est le bon repère selon vous, le bon critère? Si vous voulez, déjà ça, c'est pas la question de la quantité des milliards. C'est un sujet qui n'est pas le sujet unique. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Comment on organise l'enseignement supérieur? Moi, pour ce qui me concerne, je le dis ici, je suis invité à le dire, pour ce qui me concerne, j'appelle de mes voeux un enseignement supérieur et une recherche qui serait enfin totalement décentralisé. Je considère même que le ministère de l'enseignement supérieur n'est pas indispensable, qu'on pourrait avoir une gestion de labellisation du point de vue national confiée aux conseils régionaux un vrai pouvoir en matière d'enseignement supérieur, laisser les universités vivre librement, avoir leur projet, leur partenariat, bien sûr, sous le contrôle de l'État central, mais qui ne serait pas plus qu'un labelliseur et un certificateur, et avoir même dans les parcours académiques, des parcours très variés. L'idée, par exemple, de la recherche sur projet, moi, je l'encourage. Je trouve que c'est une très bonne idée. L'idée de motiver les équipes en les mettant en compétition les unes avec les autres, c'est une excellente façon. La science n'a jamais avancé autrement. Et donc, nous sommes dans une société, en particulier chez les universitaires. J'en suis un. C'est une corporation, il faut le savoir. C'est une corporation. Je dis ça, ce n'est pas le sens juridique, hein, mais c'est la chose. C'est la chose. C'est une corporation qui s'auto-coopte, qui est absolument réticente à toute évolution, qui tient à garder le contrôle de qui rentre et comment on sort, à quelle vitesse vous passez à l'échelon supérieur, quel sera votre salaire, quoi que vous ayez fait par ailleurs. Et c'est un milieu qui, en quelque sorte, n'est plus capable, en réalité, d'assurer son développement, sa montée en puissance. Je dirais d'ailleurs, c'est un peu polémique, j'en suis désolé, mais c'est même un milieu qui, dans ses critères de sélection des pairs, eh bien, à des pratiques qui sont soupçonnables.
C'est-à-dire qu'il y a des logiques politiques, syndicales à l'œuvre, et il ne faut pas se payer de mots. Ça n'est pas un univers où la science domine et où on a un conflit entre des paradigmes scientifiques, des éprouvettes et des démonstrations. Il y a beaucoup de politiques, beaucoup d'idéologies. La science en souffre. On a moins besoin de milliards en plus, même s'ils sont à prendre, que d'une organisation qui fasse plus confiance à l'autonomie des régions, à la compétition entre les laboratoires et à l'innovation des chercheurs. Alors en effet, accrochons-nous à des faits, Julia Cagé. C'est comme ça que les débats sont plus intéressants. D'abord, en effet, sur ce... Non, mais c'est plus intéressant de parler de faits et parlons des chiffres de ce projet de loi de programmation pluriannuelle pour la recherche jusqu'en 2030 et ce chiffre qui est avancé par le gouvernement de 25 milliards, et vous allez nous l'expliciter. Et deuxième point, pour être tout à fait précis, j'aimerais bien qu'on comprenne, parce que vous êtes trois universitaires ici, nous sommes deux à ne pas l'être, et il y a tous les gens qui nous écoutent aussi, la différence qu'il y a avec justement cette proposition qui a été faite de CDI de projet, pourquoi est-ce qu'elle braque une partie du monde universitaire? Expliquez-nous cela aussi. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a deux questions. Points. Je commence par un point de chiffre, hein, puisque depuis tout à l'heure, on dit bah, finalement Emmanuel Macron a bien eu raison de parler des 66 millions de procureurs, puisqu'il est ressorti avec un taux de popularité. Enfin, il a aujourd'hui un taux de popularité relativement élevé. Il faut savoir qu'à la fin de son mandat, le dernier sondage de Donald Trump, il y avait 34% d'opinion favorable pour Trump. Pour Emmanuel Macron, on est à 37%. Si vous prenez les marges d'erreur, en fait, c'est le même taux de popularité. Donc, on peut se réjouir de voir 37%. On peut aussi s'interroger sur tout ce que ça nous dit. Sur les étudiants, première chose, si vous prenez au cours des 10 dernières années, la dépense par étudiant en France a baissé de 10%. Maintenant, on nous parle de 25 milliards. 25 milliards, ça veut dire quoi? C'est 25 milliards d'euros sur 10 ans, avec la plupart des dépenses qui seront engagées après ce quinquennat. Donc déjà, ce n'est pas des dépenses qui seront engagées par Emmanuel Macron, ça n'engage pas vraiment le gouvernement. Deuxièmement, même si ces 25 milliards sont bien engagés au cours des 10 prochaines années, vu l'augmentation du nombre d'étudiants par an, ça aboutira à une situation, l'inflation une fois prise en compte, où les dépenses par étudiant seront au mieux stables, au pire encore en baisse. Ce qui veut dire qu'en fait, on nous annonce 25 milliards, mais il y a toujours une poursuite du désinvestissement dans l'université. Ça, c'est extrêmement important à dire et c'est extrêmement important à souligner. Il y a eu une étude qui a été publiée cette semaine par l'Institut d'études et politiques publiques, l'IPP, par Julien Grenet et d'autres chercheurs, sur la reproduction sociale au sein des grandes écoles. C'est important d'y venir puisqu'on mentionnait la différence de traitement entre les classes préparatoires et l'université. Je pense que Monique Kantos-Perber a raison de dire qu'il y a un problème dans la gestion de cette crise. C'est sûr que ce n'est pas évident de savoir comment faire. Par contre, Dominique Régnier, on n'est peut-être pas de la même corporation. Moi, je ne me vois pas dans une corporation, mais on est de la même institution. Et vous vous accorderez à dire que si on prend nos amphis et qu'on sépare les étudiants, ils seront certainement moins serrés et certainement moins en situation de propager le virus dans nos amphithéâtres qu'ils ne le sont à 40 ou 45 dans une salle de classe en classe préparatoire. Pourquoi on fait ça? Quand on fait ça, on augmente d'autant plus les inégalités scolaires, qui sont des inégalités scolaires, économiques, sociales en termes de reproduction. D'après l'étude qui a été faite par Julien Grenet et ses co-auteurs, vous avez 80% aujourd'hui des étudiants dans les grandes écoles sélectives qui viennent de classes préparatoires, enfin, qui viennent de milieux sociaux, CSP++, AHEC ou à l'école normale supérieure. On est au-delà de 90% et vous n'avez même pas 1% d'enfants d'ouvriers. Ça, c'est extrêmement important. Enfin, sur le dernier point, et là-dessus, on n'est vraiment pas, d'accord. Pourquoi il y a eu une opposition très forte au CDI de projet? Parce que quand vous faites de la recherche aujourd'hui, vous faites un investissement sur le long terme. Ça prend du temps de publier, ça prend du temps de faire de la recherche. Quand on rentre dans une logique dans laquelle il faut lever l'argent de la recherche au fur et à mesure. Un, vous réfléchissez sur le court terme. Deux, c'est une réalité et j'ai fait des appels à projets. J'ai reçu des fonds de recherche de la part de l'Europe, de la part des ANR. J'ai pris du temps, mais vous passez entre un quart et un tiers de votre temps que vous devriez consacrer soit à la recherche, soit à vos étudiants, à répondre à des appels d'offres. Vous êtes sans cesse dans une urgence. Trois, et ça c'est peut-être moins sensible pour vous, Dominique Régnier, que ça ne l'est pour des femmes, mais si on introduit fondamentalement en France le système de tenure track, qui est un système à l'américaine,
C'est un système qui précarise les chercheurs. Donc, en gros, vous êtes précarisé jusqu'à la fin de votre thèse autour de 30 ans. Et là, finalement, ça ne vous donne pas de poste stable jusqu'à 30 ou 40 ans. Et on sait que c'est un frein très fort, finalement, aux femmes à l'université, notamment parce que nous avons une horloge biologique qui n'est pas exactement la même que l'horloge en termes de tenure track. On a un système de recherche en France qui marche plutôt très bien, malgré la faiblesse des moyens et surtout malgré la faiblesse des rémunérations pour nos maîtres de conférences. Ce système, on cherche à le précariser encore que si on faisait des CDI projets avec un investissement financier suffisant. Aux États-Unis, cette précarisation, ce tenure track, ça va avec des salaires élevés et ça va avec des moyens de recherche qui sont élevés. En France, on veut le faire sans salaire, sans moyens de recherche, et je pense que ça affaiblira encore plus les vocations dans la recherche. Rapidement, Dominique Régnier et Monique Kantos-Ferber. Et si vous en êtes d'accord, on gardera moins de temps pour la deuxième partie. On posera un certain nombre de questions factuelles et précises à Christine Ockrent sur le sujet international. C'était juste une petite remarque, parce que il se trouve que c'est ma petite information biographique. Moi, je suis sorti de la précarité à 34 ans. En étant chercheur sans contrat, etc. Moi, je suis à 36, et ça sera peut-être cette année. Quoi qu'un homme, pire. C'était votre seul... Vous êtes un homme, mais à 34 ans, vous pouvez encore avoir des enfants. C'était ça, la différence biologique entre les femmes et les hommes. Mais c'est aussi un autre débat. Monique Kantos-Ferber. Chacun fait état de sa expérience personnelle. Pardonnez-moi de rappeler celle que j'ai eue en tant que directrice d'une institution. De l'École normale supérieure de la rue d'enseignement supérieur pendant longtemps. Donc, et trois points très précis à propos de la réforme qui est actuelle, qui va prendre effet. D'abord, la recherche sur projet. Moi, j'y suis totalement favorable. Pour une partie des financements de recherche et une partie seulement. Et ça ne peut pas s'étendre évidemment au-delà d'une certaine mesure, comme l'a rappelé Julia, et pour d'autres raisons aussi. C'est-à-dire qu'il y a à côté de cela des financements qui sont absolument nécessaires pour la continuité, la vie de la recherche dans le laboratoire. C'est très clair dans les laboratoires de sciences fondamentales. Il y a aussi un financement considérable qui est destiné à entretenir des infrastructures administratives, techniques, de qualité autour des chercheurs. Ce ne sont pas des chercheurs qui se réunissent autour d'une table. La science, et puis d'ailleurs dans tous les domaines, que ce soit des sciences expérimentales ou autre chose. Donc, à quoi il faut parvenir, c'est un équilibre entre la recherche sur projet. Ça entraîne la compétition, l'émulation, et c'est une excellente chose, mais également des financements qui sont récurrents, qui sont prévisibles, qui sont à long terme, sans quoi il est impossible de faire vivre un laboratoire. Premier point. Deuxième point. Moi, je suis, en ce qui me concerne, favorable à une autonomie radicale des universités. Je suis vraiment navrée que Dominique ait commencé son intervention en disant qu'il était en désaccord avec moi, parce que je pourrais souscrire à tout ce qu'il a dit d'une certaine manière. Bien sûr, simplement, ce point-là, vous êtes en accord. Les positions doivent être cohérentes. Si on défend l'autonomie radicale des universités, il faut absolument abandonner l'idée d'une diplomation nationale. Bon, évidemment, on est très très loin de ce genre de choses. Et il faut procéder à une éducation à l'autonomie. L'autonomie, c'est la responsabilité. L'université de Cambridge est autonome depuis plusieurs siècles. Elle a fêté son 800e anniversaire. Nous en sommes très loin. C'est une réforme qui date d'un peu plus d'une dizaine d'années. Il y a tout un apprentissage de la part des collègues. Mais le fait qu'il y ait une sorte d'animation de la vie universitaire et des chercheurs, pas nécessairement sous l'autorité régionale. J'irai encore plus loin, sous l'autorité des chercheurs et des enseignants eux-mêmes et des responsables d'institutions. Mais si vous voulez, là, on entre dans un tout autre modèle. Et enfin, le tenure track, je vous avoue que je n'y suis pas trop favorable en ce qui me concerne, mais je ne connais pas vraiment les modalités. Je n'ai pas eu le temps. J'ai trouvé très incohérent et imprécis telle que la formulation dans le projet. Je pense que ce à quoi je serais plutôt opposée si on allait dans cette voie-là, c'est une espèce de contrainte sur la définition des postes. Lorsqu'on recrute quelqu'un dans l'université, il faut se mettre dans un mouvement national. Les choix sont réduits. On ne peut pas définir véritablement des postes interdisciplinaires ou des postes qui soient vraiment originaux et qui permettent une véritable innovation. Chez les scientifiques, c'est très clair. Donc voici mon expérience, mais j'insiste... Eh bien, chacun aura pu parler de la sienne. Oui, parce que quand même, j'ai été directement responsable de l'École normale supérieure de l'administration qui permet à la recherche d'avancer, l'administration pas seulement Merci. Au sens bureaucratique, Alors, au avec sens trois universitaires aussi. Ce matin, dans cette émission de France Culture, on aura pu parler enfin un peu de l'université. On va maintenant écouter l'expérience de Christine Ockrent en matière de géopolitique, en revenant sur cette journée d'investiture de Joe Biden. Et je vais demander tout de suite à la régie de nous permettre de réentendre cet extrait du nouveau président des États-Unis. C'était mercredi. L'unité, c'est la voie à prendre.
Nous devons, aujourd'hui, être vraiment les États-Unis d'Amérique. Si nous le faisons, nous n'échouerons pas, je vous le garantis. Nous n'avons jamais échoué aux États-Unis lorsque nous avons travaillé ensemble. Donc aujourd'hui, en ces temps, en ce lieu, commençons une nouvelle page. Tous autant que nous sommes, écoutons-nous les uns les autres. Regardons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. La politique ne doit pas être un incendie qui détruit tout sur son passage. Chaque désaccord ne doit pas être une cause de guerre totale. Nous devons rejeter la culture selon laquelle les faits eux-mêmes sont manipulés, sont fabriqués. Christine Ockrent, est-ce que vous avez le sentiment que déjà en quelques jours, les États-Unis, et j'allais presque dire le monde, s'est mis à l'heure et au style Biden? Ce qui compte, c'est que les Américains s'y mettent. Mais permettez-moi d'insister d'entrée de jeu sur cette différence de vocabulaire politique. Nous avons passé, comme souvent, grâce à vous, Émilie, le dimanche, beaucoup de temps, finalement, à disséquer des mots. Et en particulier, cette petite phrase du président français que nous trouvons tous extrêmement malvenue. Est-ce qu'on peut imaginer une seconde, si on traduit en français ce qu'on vient d'entendre dans la bouche du nouveau président américain? Le nouveau président américain a dit mercredi dernier, bon, il nous faut sauver l'âme de l'Amérique. On imagine un président français disant on va sauver l'âme de la France. Déjà, on commencerait à rouspéter dans tous les sens. Et le même président américain a dit, et ce n'est pas l'extrait que nous avons entendu là, il a dit plusieurs fois, mais nous autres Américains, nous sommes bons. We are good people. Nous sommes de braves gens. Vous imaginez en France qu'un président dit ça, mais ce serait une franche rigolade. Ou même à la limite, on trouverait ça extrêmement péjoratif. Des braves gens, mais quelle horreur! Bon, le fait qu'il insiste, et comme on vient de l'entendre, sur l'unité, le fait d'être ensemble, il a mentionné ce terme, ou un terme proche, 19 fois dans son discours, c'est-à-dire autant que George Washington, et plus que chacun de ses prédécesseurs à l'époque contemporaine. The Economist a fait un diagramme très intéressant du vocabulaire de ses discours présidentiels. Alors évidemment, en plus, il y a, comme toujours à l'américaine, la religiosité, et puis un certain nombre de ce que nous considérerions comme des platitudes, mais des platitudes absolues sur la démocratie. Alors évidemment, dans le contexte américain, et ce contexte très singulier après le 6 janvier et la marche des émeutiers sur le Capitole, donc l'ombre de Donald Trump, dont fort heureusement, depuis qu'il ne tweete plus, on parle beaucoup moins depuis quelques jours, et puis l'ombre mortifère de la Covid, puisqu'il Biden lui-même a annoncé qu'il y aurait sans doute 500 000 morts aux États-Unis au terme des 100 premiers jours du mandat, plus le chômage, 10 millions de chômeurs de plus. Et donc, on comprend bien que la tâche de ce président et de cette administration est de venir à bout de ce qu'il a appelé lui-même cette guerre incivile. Et juste un mot à propos du taux de popularité, ma chère Julia, s'agissant des présidents américains, la coutume, les Américains étant manifestement moins disputailleurs, moins procureurs que nous, c'est que les présidents américains, même presque à la fin de leur mandat, dépassent toujours les 50%. Le seul qui ne l'ait pas fait, c'est Donald Trump. Je reviens rapidement, Émilie, à la vraie question que vous posez. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Ce qu'on va voir sûrement, c'est le retour de la politique aux États-Unis. Ce sera beaucoup moins amusant pour nous. Parce que, évidemment, on pourra s'intéresser à ce qui va se passer en particulier au Sénat, enfin, où, on le sait, il y a l'égalité 50-50 entre républicains et démocrates, avec la voix de la vice-présidente qui peut faire la différence, mais pas dans tous les cas. Une procédure de destitution qui sera officiellement enclenchée à partir de demain
et le procès lui-même, puisqu'il s'agit bien d'un procès, commencera le 9 février. Et ça pose un problème au président Biden et à son administration. Ça rend impossible de faire autre chose. Parce que, voilà, et donc il va demander, d'ailleurs, la nouvelle communicante de la Maison-Blanche, Jen Psaki, qui est d'origine grecque, ce qui plonge d'ailleurs tous les Hélènes de la planète dans un état d'euphorie absolument remarquable. Donc, elle a eu ce mot qu'on prêtait, vous vous souvenez peut-être, chère Émilie, même si vous avez connu moins de présidents que moi, qu'on prêtait à Gerald Ford et qui disait « je peux à la fois faire quelque chose et mâcher du chewing-gum ». Et donc la Psaki a dit « eh bien, il va falloir que le Sénat mâche du chewing-gum et fasse autre chose, sous-entendu, passe, et ça c'est très important, à la confirmation des ministres de ce nouveau gouvernement et surtout examine et si possible fasse passer ce plan énorme de soutien social d'abord et économique que l'administration Biden a prévu et défini. Merci pour ce regard sur cette semaine américaine. Julia Cagé, j'aimerais bien avoir aussi votre analyse sur ce sentiment d'accalmie, j'allais dire même d'un point de vue sonore. On n'entend plus Donald Trump, on a le retour à une espèce de calme, à une politique différente, vous l'avez dit, à un autre rapport au réel, au débat public. En effet, c'était pas tant quand on a vu le premier point presse de Jen Psaki le soir du mercredi, où d'un coup tout redevenait normal et de nombreux journalistes s'en sont étonnés. Mais je voudrais savoir d'un point de vue démocratique ce que vous avez pensé, Julia, du fait qu'en effet, on ne peut plus entendre Donald Trump sur Twitter et sur un certain nombre de réseaux sociaux. Cela pose quel problème, précisément, à la démocratie ? Ça pose énormément de problèmes. Alors, sur le fond, dans l'actualité, on se réjouit finalement tous du fait que Twitter et Facebook aient réagi dans l'urgence et aient coupé les comptes de Donald Trump après ce qui s'était passé au Capitole. Et puis, on prend un tout petit peu de recul et on se demande selon quelles règles l'ont-ils fait et qui a décidé. Et le fait est que ce sont les patrons de ces réseaux sociaux, c'est Mark Zuckerberg qui va directement annoncer le fait qu'il coupe finalement l'accès de Donald Trump à Facebook. C'est le patron de Twitter qui décide d'abord. Ils y sont allés petit à petit. Ils ont commencé à mettre des signalements sous les vidéos. Ensuite, ils sont passés de l'étape du signalement. Ils ont suspendu le compte. Ensuite, ils ont coupé le compte. Donc, on se dit, c'est Trump, c'est bien. Sauf qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse définir les possibilités de liberté d'expression par des géants du numérique, par des plateformes états-uniennes. Et il n'y a pas du tout de débat démocratique. C'est une question qu'on a cru avoir tranchée il y a très longtemps aux États-Unis, c'est en 1996. 1996 aux États-Unis, c'est-à-dire il y a un siècle, avant même l'invention des réseaux sociaux, il y avait ce qu'on a appelé la section 230 qui disait quoi ? Qui disait que d'une part, on avait des médias, y compris des sites en ligne, qui avaient une responsabilité éditoriale, et puis d'un autre côté, on avait des blogs, des plateformes qui étaient de simples hébergeurs, sans responsabilité éditoriale, et c'est ça justement qui a permis le développement de ces réseaux sociaux. Sauf que ça marchait très bien, finalement, tant que ces réseaux sociaux ne faisaient pas d'information. Sauf qu'on voit qu'aujourd'hui, Facebook, Twitter, d'une certaine manière, dans un pays comme l'Inde, le Brésil, WhatsApp aussi, énormément font de la politique et sont une caisse de résonance politique. À partir de là, il faut qu'on apprenne à les réguler. Il faut qu'on apprenne à les réguler aux États-Unis, il faut qu'on apprenne à les réguler en Europe. On n'a jamais vraiment pensé ça. Il y a un certain nombre de lois au niveau national qui s'appliquent. C'est différent dans différents pays. Par exemple, en Allemagne, ils ont été beaucoup plus rapides à mettre des amendes contre Facebook, quand il y avait des contenus qui étaient signalés et que la plateforme était trop longue à retirer ces contenus, mais on n'a jamais pensé fondamentalement la régulation de ça. Il y a la problématique de la déconcentration de ces réseaux sociaux, mais il y a surtout la problématique de la prise de décision. Alors Facebook nous a créé une petite cour suprême, toute droite tirée du chapeau. Ça, c'est une belle innovation de communicant qui aurait pu plaire à notre président de la République. Et cette cour suprême là, a dit « Ah bah finalement, on a aussi le droit de censurer des élus et des politiques. » On voit bien que c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Si vous prenez par exemple les médias normaux, les médias traditionnels, la radio, la télévision, bon, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent. Pour l'audiovisuel, en France, vous avez quelque chose qui s'appelle le CSA. Vous avez aussi des règles qui s'appliquent, y compris juridiques, du point de vue de la responsabilité éditoriale. Pour la en France aussi, on a plein de choses. On a la CNIL, on a déjà un certain nombre d'outils, mais qu'on utilise pour les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait en France pour réguler Twitter ? En fait, on n'a aucune manière de faire de la pression sur Twitter. Moi, je pense qu'il faut une délibération collective. Je pense que sur un compte comme celui de Donald Trump ou d'un élu, ce n'est pas évident de savoir si oui ou non on peut le suspendre. Donc, il faut une délibération collective, il faut une
des votes en Parlement sur la politique à appliquer, la définition d'un certain nombre de règles claires, pas par un patron de boîte états-unienne, mais par des élus démocratiquement choisis par l'ensemble des citoyens. Et au moins, si ce qui s'est passé avec Trump devait avoir un mérite, ça serait de nous réveiller sur ces questions-là et qu'on prenne des mesures dans un futur proche. Merci pour ces explications. On a bien compris que c'était un enjeu de souveraineté numérique avec cette déplateformisation. Dominique Régnier, qu'est-ce que cela nous dit sur les conditions du débat public à venir aux États-Unis, mais on sait bien, on voit bien en quoi ça a déjà des répercussions sur notre débat public. J'ai cru que j'étais pas d'accord avec Julia Cagé, mais si, en fait. Dans cette émission, on finit toujours par trouver des points d'accord. Moi, je ne me suis pas réjoui, ni même pas au début de la censure de Trump, quoique ses propos et son comportement étaient scandaleux, parce que ces plateformes ont fait beaucoup d'argent avec Trump, avec ses propos, avec les followers, avec son audience. Et donc, il y a une espèce de retournement d'un cynisme inouï de la part de Twitter, Facebook et quelques autres. Je signale d'ailleurs que Airbnb a banni les militants pro-Trump qui voulaient louer. Comment ils ont fait pour juste une déclaration d'Airbnb? Comment vous avez fait pour bannir des individus que vous avez? Oui, comment saviez-vous qu'ils étaient pro-Trump? Par le biais des médias ou de sources policières. Donc, et ils sont bannis à vie. Donc on a quelque chose qui est en train de se mettre en place, sachant que Twitter n'a pas du tout l'idée de censurer Erdogan, qui appelle régulièrement à la destruction de toute une catégorie de personnes, etc., ça change tout le temps, ou Khamenei en Iran, qui peut lui-même appeler à la destruction d'Israël sans problème. Twitter n'est pas choqué, ne juge pas bon de modérer. Donc c'est une situation qui est nouvelle, elle est inédite, et tout ce que l'on peut savoir sur, au fond, la démocratie, depuis très longtemps, on réfléchit à ce sujet, nous les humains, il y a une situation aujourd'hui tout à fait sans précédent qui fait que je me demande s'il est possible, c'est une question que je me pose, de faire vivre la démocratie dans cette matrice qui se met en place, qui est numérique et globalisée, avec une accentuation d'un pays qui est un pays merveilleux, les États-Unis, mais qui ne sont pas tous les pays, et qui ont un effet au fond double. À la fois la numérisation, avec toute une série de conséquences, et puis une forme d'américanisation qui nous met, pour au moins deux raisons, sous leur dépendance. Et ça va être sans doute assez difficile de faire vivre la démocratie, peut-être que nous la connaissions. Donc réinventer la démocratie en dehors des réseaux sociaux. Oui, sans doute. Et puis arriver à avoir une plateforme européenne est déjà une idée simple qu'il faudrait arriver à réaliser. Quelque chose me dit que nous en reparlerons. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce dimanche. Monique Kantosperber, Christine Ockrent, Julia Cagé et Dominique Régnier. Merci à Luc-Jean Reynaud qui a réalisé cette émission. À Marine Beccarelli qui, comme toujours, l'a préparée avec moi. Merci à l'Espace Cardin Théâtre de la Ville qui nous accueillait une nouvelle fois cette semaine. Merci à la technique à Benjamin Perru, Sébastien Huel, Luison Soulignac, Kevin Delcourt, Francesca Fossati, Franck Malabry et Wojtek Noiret. Et je suis aujourd'hui, et comme souvent, en compagnie de Caroline Bourré, car on va maintenant vous retrouver, Caroline, dans vos bonnes choses, et je crois que vous êtes en train de nous préparer de la soupe. Oui, c'est ça, parce que je crois qu'on a vraiment tous besoin de réconfort, de chaleur et de rester en bonne santé. Et puis en plus, l'ONU a déclaré 2021 année internationale des fruits et des légumes. Donc nous allons, nous, les concocter en soupe. À tout de suite. J'ai cru que c'était l'année de la soupe. Eh bien, bonne émission, Caroline, et je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Excellente semaine à tous à l'écoute de France Culture.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde, comme chaque dimanche, l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux. Une émission en direct de l'espace Cardin Théâtre de la Ville à Paris, mais sans public, sauf celui qui nous regarde sur la chaîne YouTube du théâtre et en présence de notre cher Matteo Caranta. Bonjour Matteo. Bonjour Caroline. Debout sur la scène de l'espace Cardin Théâtre de la Ville pour nous présenter la Madeleine du jour, le souvenir gustatif d'une personnalité. Qui donc avez-vous rencontré cette semaine ? Eh bien, j'ai rencontré le comédien Michel Villermoz qui m'a parlé, ça tombe bien, d'un plat du dimanche. Et c'est d'un autre plat du dimanche et d'ailleurs de chaque jour que nous allons parler parce que c'est une forme liquide que va prendre notre plat du jour. Nous allons nous pencher en effet sur un plat de saison qui se mange le plus souvent chaud et qui fait de toutes sortes de légumes est à la fois réconfortant, roboratif, bon pour la santé et même, si, gourmand. Mange ta soupe, on m'a dit mange ta soupe. Mange ta soupe, tu sais pas ce que tu loupes. Mange ta soupe, on m'a dit mange ta soupe. Coûte que coûte, et sans l'ombre d'un doute. Soupe aux choux, soupe aux potirons, soupe aux petits pois ou à l'oignon. Soupe au lait ou soupe en sachet, soupe d'émotion, soupe perfusion. Soupe de fruits verts, soupe de fruits de mer, soupe opéra, c'est populaire. Avec des yeux dans le courbouillon qui regardent la télévision. Crème de volaille sur canapé ou pointe d'asperge au velouté. Des consommés tout préparés au rayon des supermarchés. Coulis de pruneau ou gazpacho qui dégouline de la radio. Scoop au canard, soupe à la une. Deux invités avec nous aujourd'hui pour parler de la soupe. Non pas Tom Novembre qui chante « Mange ta soupe », mais Julien Ponce-Blanc, un amateur, voire un amoureux des soupes. Bonjour à vous. Bonjour. Journal d'un amoureux des soupes, c'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions La Martinière. Et puis vous êtes créateur des potages Green Shoot. Exactement. À côté de vous se trouve Éric Birloise. Bonjour Éric. Bonjour Caroline Brouet. Ingénieur agronome et sociologue de l'alimentation, vous avez écrit une petite et grande histoire des légumes aux éditions Kouaï. Évidemment, les légumes qui se mangent notamment en soupe, nous y reviendrons tout au long de cette émission. Et d'ailleurs, c'est à vous que je vais poser la première question, Éric Birloise, parce qu'on se rend compte depuis quelques temps que les légumes ont la cote. C'est des succès de librairie. Je ferai à la fin de cette émission un petit tour d'horizon des nouveaux livres qui parlent des légumes, il y en a un certain nombre. Et ça n'a pas toujours été le cas dans la cuisine traditionnelle française qui ne leur conférait jusque, disons, il y a peut-être 3-4 ans, peut-être 5-10 ans, je ne sais pas, vous allez nous le dire, en tous les cas, un rôle d'accompagnement. Les choses sont-elles en train de se renverser et pour quelles raisons ? Oui, je pense que les choses sont effectivement en train de se renverser. Alors c'est vrai que si on fait très rapidement un parcours dans l'histoire de notre cuisine, de notre alimentation, à la fin du Moyen-Âge, enfin pendant tout le Moyen-Âge même, on peut dire, les légumes sont totalement méprisés. Pas par ceux qui en mangent, bien sûr, les paysans, mais par les élites sociales qui considèrent que ces légumes poussant dans la terre, sous la terre pour certains, et étant des nourritures de paysans, vraiment n'ont pas la cote. On va donc vraiment attendre longtemps pour que les légumes soient réhabilités, un petit peu à la Renaissance, avec Louis XIV et son potager du roi. Mais finalement, ça fait, moi je dirais, ça fait 20 ans qu'on commence à entendre cette petite musique, au moins 5 fruits et légumes par jour. Et on est quand même encore très loin du compte, on pourra donner les chiffres. Mais c'est vrai que depuis quelques années, les légumes ont la cote. D'abord parce qu'on découvre qu'ils sont bons, bien évidemment. Et puis je crois qu'il y a aussi le fait que, comme on parle de plus en plus d'une alimentation durable, d'une alimentation moins carnée, eh bien il faut bien mettre quelque chose dans l'assiette pour remplacer ce que l'on va diminuer, la viande ou les produits animaux d'une manière générale. Et les légumes, ben finalement, ils reprennent un petit goût de nouveauté, alors qu'ils ont évidemment toujours existé. Julien Ponce-Blanc, c'est un peu le même phénomène finalement pour la soupe qui accompagne tout simplement le mouvement de redécouverte en tout cas des légumes et des légumes anciens. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure. C'est un peu pareil avec la soupe parce que la soupe a pendant très longtemps pas eu très bonne presse, en particulier auprès des enfants, mais pas seulement. Ça fait penser à l'hôpital, ça fait pas rêver la soupe. Non, et puis c'est vrai que dans l'imaginaire populaire et puis dans la culture collective, il y a des
expressions qu'on connaît bien, gros plein de soupe, soupe à la grimace, soupe au lait, etc. Donc il y a tout un champ sémantique qui n'est pas forcément très favorable à la soupe. Or, c'est vrai, et je le constate aussi, cette image est en train de bien changer. Lorsque j'ai créé mon entreprise il y a une quinzaine d'années, j'en veux pour exemple qu'on me regardait avec des yeux écarquillés quand je disais que je faisais de la soupe, et désormais on me dit « Ah, t'as trouvé le filon, c'est le bon truc, etc. » Mais je dis « Cet amour, il est plus ancien, il est plus viscéral, il est pas du tout pragmatique, mais c'est une passion. » Mais d'où vient cette passion pour la soupe? C'est assez rare quand même. Alors, c'est vrai que comme ça, sur le papier, ça peut paraître étonnant. Je crois d'abord que, un petit peu comme tout un chacun, comme beaucoup d'entre nous, j'ai une histoire personnelle avec la soupe. Vous êtes tombé dans la marmite tout petit. Voilà, en étant enfant. D'abord parce que j'avais une arrière-grand-mère qui cuisinait tous les légumes du jardin et on faisait toutes les choses nous-mêmes avec le pigeonnier, le poulailler, etc. Donc évidemment la soupe, bien sûr, et mon sud-est natal, c'était en particulier la soupe au pistou. Et puis c'est vrai que j'étais transformé en activité professionnelle et j'ai constaté quelque chose de fabuleux, c'est que la soupe, c'est une passion qui est inextinguible parce qu'on n'en a jamais fini d'en faire le tour. Est-ce que malgré tout, vous qui êtes créateur d'une entreprise qui vend des soupes en briques, même si elles sont fraîches, est-ce que malgré tout, Julien Ponceblanc, les soupes en briques, ça n'est pas incompatible avec la santé? On dit que les soupes industrielles, alors elles, pour le coup, n'ont toujours pas bonne presse, même si elles se sont beaucoup vendues pendant le premier confinement. C'est facile à chauffer, bien sûr. Mais c'est le résultat aussi d'une enquête de 60 millions de consommateurs sur 28 marques de soupes préfabriquées. C'est pas très bon. Alors, si on veut dire, il y a deux salles, deux ambiances. Dans les années 60, on a eu recours très largement au procédé de stérilisation, qui nous a permis de mettre dans des briques qu'on connaît bien et qu'on retrouve au rayon épicerie, des produits dont la qualité gustative et la composition est peut-être discutable. Beaucoup d'adjuvants, des texturants, amidon de riz et autres, qui étaient des bonnes ficelles d'industriels pour faire du potage à bas prix. Il faut dire que d'autres acteurs sont intervenus et je crois qu'on peut dire que ma marque Green Shoot fait partie de cette mouvance. On a essayé d'apporter une autre vision et de changer les choses de l'intérieur. D'abord avec une nouvelle technologie qui est la flash pasteurisation, qui est un procédé beaucoup plus élaboré qui permet de mieux préserver nutriments et vitamines. Et puis en retirant évidemment toutes les choses un peu bizarroïdes qu'on a pu imaginer ajouter à nos bonnes soupes, alors que des ingrédients naturels, sains et des bons légumes suffisent très largement à faire des très bonnes soupes. Est-ce que vous êtes un amateur de soupes? Oui, j'adore ça. Oui. Je crois que les premières soupes, en écoutant Julien, je repensais aux premières soupes que j'ai appris à faire. C'est la très banale mais délicieuse soupe aux poireaux, pommes de terre. Et la soupe à l'oignon. Voilà, j'ai une passion pour la soupe à l'oignon. J'en fais pas très souvent, mais j'adore ça. Je disais qu'il n'y a pas de banalité dans les soupes, en fait. Finalement, les choses simples sont souvent les meilleures. Julien Ponceblanc, c'est un plat d'hiver quand on a besoin de chaleur, quand on a besoin de réconfort, la soupe. Alors, c'est un plat dont moi j'aime à dire qu'il est de... Nous sommes des marchands des quatre saisons, évidemment, parce que c'est ça qui fait aussi toute la richesse de la soupe. On parlait de la sémantique qui est un petit peu, des fois, dans l'imaginaire populaire un peu restreint, mais en fait, on peut parler de bouillon, on peut parler de velouté, on peut parler de consommé, on peut parler de potage. Tout ça, c'est la même chose. Gazpacho, eh bien non, justement, c'est ça qui fait toute la richesse de ce produit-là et qui traverse les saisons. Et j'ai même présenté dans mon livre une soupe tiède, d'ailleurs, pour un petit peu comme un... petit pied de nez, mais pour dire que là aussi, c'est pas forcément ou chaud ou froid, mais qu'on peut trouver une manière de le consommer de toutes les façons possibles. En ce moment, donc janvier, février, mars, à part le chou, le poireau, la pomme de terre, dont parlait Éric Birloez, les carottes, on trouve quoi? Les navets, les panais, il y a plein de choses formidables. Je pense que Éric nous dira encore plus... de manière encore plus précise que moi, oui, bien sûr. Ah oui. Les courges qui aussi ont tendance à traverser, le butternut est là aussi, donc les associations sont sans limite. Éric Birloez. Oui, il y a beaucoup de...
Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ce qu'on a cité, on parlait des choux, on parlait des navets, bêtes, des panais, des pommes de terre. Des panais, c'est qu'en fait, finalement, ces légumes, on les connaît depuis toujours. C'est-à-dire, ce sont des légumes qui poussaient spontanément, peut-être pas tous en France, mais au moins en Europe. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Dans le livre que je consacre aux légumes, on parle des légumes venus du Nouveau Monde, on parle des légumes venus d'Asie. Mais c'est vrai que le chou, la bête et la betterave, qui sont d'ailleurs la même espèce, les navets, les carottes que l'on a citées, et puis les endives, alors nées beaucoup plus récemment, au 19e siècle. On ne fait pas de soupe à l'endive. Ça, c'est de l'indigène. On fait une crème, peut-être. Si, ça existe. Oui. Et j'en ai velouté mangé de très bonnes, veloutées d'endives. Oui, exactement. Pardon, je vous ai interrompu, Eric Bialet. Non. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que justement, la soupe, alors il y a toute cette dimension affective. Julien parlait de son arrière-grand-mère, évidemment. Et puis, c'est aussi une manière de découvrir les aliments et en particulier les légumes. Parce que, eh bien, la soupe, on peut mettre finalement un petit peu ce que l'on veut. Et moi, j'aime à penser que, alors l'homme n'a pas toujours mangé des soupes, mais dès lors qu'il a su, qu'il a domestiqué le feu, donc c'était il y a peut-être 400 000 ans, peut-être plus, mais au moins depuis 400 000 ans, eh bien, il a jeté dans une marmite, entre guillemets, ce qu'il pouvait. Une soupière. Voilà, une soupière, alors qu'il n'était pas faite de poterie encore, mais de carapace de tortue ou de choses comme ça. Et c'est d'ailleurs de là que vient le terme potage. Pardon, je ne oui, veux oui. pas prendre la place d'Éric, mais sur le sujet de la soupe en particulier, d'ailleurs, il y a une confusion qui est faite souvent entre soupe et potage. Or, potage, ça vient du terme pot, dans lequel on fait cuire les aliments, qui était plutôt un ragoût d'ailleurs. Et puis, par extension, au fil du temps, c'est devenu donc le produit. Mais au départ, d'ailleurs, la soupe, c'est quelque chose de très différent. C'est le morceau de pain qu'on trempe dans le liquide. Parce que dans l'histoire humaine, et on m'arrêtera si je me trompe, mais l'eau n'a pas toujours été de très bonne qualité. On risquait d'attraper des maladies. Donc, on la faisait bouillir. Et donc, on faisait donc, ce qu'on appelle maintenant des soupes. Mais c'était plutôt un bouillon dans lequel on trempait ce morceau de pain. Et d'où l'expression, d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure des expressions, être trempé comme une soupe, c'est-à-dire comme la tranche de pain sur laquelle on verse ce bouillon fumant, odorant, réconfortant dont vous avez parlé. Et d'ailleurs, les termes, c'est très intéressant parce que potager, vous l'avez dit, Julien, les potages, c'est ce qu'on fait cuire dans des pots. Le terme de potager, au départ, ce n'est pas le coin de jardin dans lequel on fait pousser ses légumes, c'est le cuisinier qui, dans les cuisines aristocratiques du Moyen-Âge, s'occupe des potages, donc pas seulement des soupes, de tous les plats que l'on fait dans des pots, qui peuvent être de la viande, qui peuvent être du poisson, etc. Et puis après, le mot potager devient le fourneau qu'on remplit de bois et on fait chauffer. Donc, c'est la cuisinière, c'est l'ancêtre de la cuisinière. Et d'ailleurs, par extension, il faut parler du terme de soupière, qui est apparu finalement assez récemment, vers le 17e, début du 18e, quand la soupe arrive à la cour et que ça devient un produit noble. Alors on lui fait un contenant très spécifique, qui est la soupière. On s'imagine bien les scènes dans lesquelles duc, marquis, le roi, etc., vont commencer à s'attabler autour de cette belle soupière, celle qu'on connaît de peut-être nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, qui ont comme ça cette prestance qu'on amène au centre de la table. Éric Bialouez, autrefois, dans les campagnes, on pouvait manger de la soupe au petit déjeuner, d'ailleurs à chaque repas, hein, on parlait même du souper. Oui. Aujourd'hui, on mange la soupe soit comme plat principal, soit comme entrée. Est-ce que ça a toujours été le cas, quand même? C'est vrai que la soupe était autrefois vraiment l'aliment de base. Donc vous avez raison de dire que c'était à tous les repas, même au ce qu'on appelle aujourd'hui évidemment le petit déjeuner, parce que c'est le moyen d'avoir quelque chose de chaud dans lequel on a donc ses légumes, mais aussi peut-être de temps en temps, quand on a les moyens, un morceau de viande, etc. Donc la soupe, c'est vraiment pour moi la base de l'alimentation, c'est la base de la culture alimentaire, parce qu'au moins les légumes, on a ça. Et puis évidemment, à côté des céréales, sous forme de bouillie et de pain. Alors, on le voit dans votre journal d'un amoureux des soupes, Julien Ponceblanc, il en existe de toutes sortes, en toute saison, mais il y a quand même un légume incontournable, c'est l'oignon. Ah, l'oignon, oui, c'est vrai, c'est un peu le second rôle qui n'arrive pas à prendre la première place, mais sans qui rien ne serait possible. Donc, c'est vrai que moi, j'ai une acquaintance particulière avec ces oignons qui ont cette capacité magique à relever le goût de la soupe tout de suite comme ça, comme par un petit tour de passe-passe. Et alors on lui a quand même
consacré une soupe où il est la vedette, c'est évidemment la soupe à l'oignon, et je n'ai pas manqué la présenter dans mon livre, parce que ça aussi rappelle pour ma part mes origines bourguignonnes, le bon bourguignon, les fins de soirée aussi, où on, voilà, pour se restaurer, on se prépare une soupe à l'oignon. Et comme vous avez conscience que tout le monde n'est pas amateur de soupe, même si elle a la côte, parce que les légumes redeviennent à la mode aussi, Julien Ponceblanc, vous avez eu la bonne idée de mettre dans votre livre un certain nombre de recettes qui sont des recettes très personnelles, avec des titres très personnels qui sont au gré de votre humeur. J'en donne juste un, parce que c'est une forme d'hommage. La soupe humeur noir d'une journée où rien ne va. Il se trouve que c'est du radis noir, du chou-fleur et des baies roses, mais que c'est un peu notre clin d'œil à l'ami acteur Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés cette semaine. On supprime l'entrée, je vous suis là-dessus. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Et alors, où c'est inventif, vous demandez aux gens d'apporter des Tupperware avec des carottes râpées, des œufs durs. Certains préparent des salades à la maison. Vous demandez, par exemple, à quelqu'un d'apporter de la bière et puis à un autre d'apporter de la limonade, ce qui permet de faire des panachés. Mais je vois pas pourquoi vous le prenez comme ça. On voulait juste vous dire... Attendez, excusez-moi, je suis désolé, mais j'ai pas fini. Pour les desserts, je pense que c'est finalement pas si indispensable que ça, les mignardises. On oublie aussi les mignardises. À la place, compote, mais du choix. Pomme poire, pomme fraise, pomme banane. Et comme il n'y a pas que les pommes poires, les fraises, les fruits et les légumes, mais il y a aussi de la viande, et nous avons Mathéo pour ça. Oui. Moi, cette semaine, pour la Madeleine, j'ai rencontré Michel Vuillermoz de la Comédie Française, que l'on peut voir sur nos écrans malgré la fermeture des salles de théâtre, puisqu'il est à l'affiche d'une série OVNI qui nous plonge avec humour dans un service d'études du paranormal dans les années 70. Et puis la Comédie Française n'est pas en reste, puisque Michel Vuillermoz et ses autres pensionnaires, compagnons sociétaires, ont fait des lectures tous les soirs cet automne de La Recherche du Temps Perdu de Proust. Et puis vous pouvez aussi voir sur les plateformes vidéo un petit programme, les 5 premières minutes, où les comédiens de la troupe racontent un moment fondateur ou exemplaire de théâtre qu'ils ont vécu. Alors pour la Madeleine, c'est un goût fondateur qu'on demande à nos invités. Eh bien, Michel Vuillermoz est remonté à ses très sérieuses années de cyclisme. Oui, Michel Vuillermoz aurait pu être cycliste. Ma Madeleine, c'est le poulet frite. Le rituel du dimanche où mes parents, en général, prenaient 2 poulets. Ils en prenaient un pour eux, j'étais fils unique, et un pour moi. Je faisais du cyclisme quand j'étais jeune. Le dimanche, c'est les courses, le matin. Après, on rentre, donc j'avais très faim. Voilà, j'ai ce souvenir où j'attendais le poulet frite avec impatience. Puis, comme on faisait du cyclisme la semaine, on était plutôt dans un régime assez diététique, on va dire. Donc, les frites, le gras, le beurre, le sucre est plutôt interdit. Mais le dimanche, on avait droit à un écart par semaine. Et c'était après la course. C'était un bon poulet de Bresse. D'abord, il est doré. Il est très légèrement fumant. Et moi, mon morceau préféré, je commençais toujours par le blanc. Voilà. Donc, on enlève délicatement le maximum le blanc du poulet, avec sa peau, bien sûr, très légèrement croustillante, avec sa cuillère à soupe de jus du poulet, et puis après les 2 cuisses, et je finissais par les 2 ailes. Donc je me mangeais un poulet de Bresse, mais quand on a 18-19 ans, un poulet, ça fait pas peur. Donc les frites, plutôt un saut, enfin le plus possible, dans le gras, au four, plutôt grosses frites, un peu grillées, mais de la très bonne pomme de terre style Annabelle ou Celtiane, très très bien cuite au four longtemps, donc ça fond dans la bouche, c'est un peu grillé, c'est très gras, c'est dans le beurre du poulet. Et donc après, ben, je se déplace difficilement de la table à un canapé. Voilà, j'ai ce souvenir-là du dimanche du poulet frites. C'est un des grands, grands moments de bonheur gustatif, mais qui ressemblait... Enfin, c'était pas très raffiné, vous voyez. C'est puisque je vous parle de frites dans le gras, plutôt quelque chose de l'ordre de l'ogre. Oui, de l'ogre. J'ai supprimé le vélo, mais les courses, mais j'ai continué à faire les courses, oui, sur le marché, bien sûr. Poulet frites, pas tous les dimanches, mais tous les 15 jours. Oui. Mes filles adorent ça.
se régale avec le poulet frit du dimanche. Ouais, c'est un rendez-vous. Tout ça, c'est le poulet. Du poulet qui va très bien, Éric Bialoise, avec toutes sortes de légumes. On peut faire poulet, frites et légumes. Ah oui, je crois que là, il n'y a pas de limite à l'imagination. Aucune. Oui, tout à fait. Aucune. Mais peut-être d'ailleurs, on peut faire appel à des légumes dits anciens. Vous disiez, il y a des tas de légumes comme les panais, les pommes de terre qu'on connaissait depuis toujours. Il y en a qu'on dit anciens et qu'on redécouvre ça aussi aujourd'hui, puisqu'on redécouvre qu'ils étaient bons, souvent associés à des périodes de disette, souvent associés à la guerre. C'est pour ça que nos grands-parents n'aimaient pas trop en manger. Je pense aux torpillambours, oui, aux rutabagas, aux crônes, aux salsifis, aux cerfeuils et justement aux panais, dont vous parlez beaucoup dans votre livre « Petite et grande histoire des légumes ». Oui, oui, bien sûr, on les redécouvre depuis quelques années, grâce d'ailleurs à certains chefs qui les ont redécouverts et finalement, d'une certaine manière, popularisés. Et c'est vrai que ces légumes anciens... Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces légumes anciens, ils sont évidemment, ils ont été sélectionnés, ils n'ont pas tout à fait le même goût qu'ils avaient quand nos ancêtres les consommaient. Hein. Évidemment, on a peut-être parfois tendance à penser que c'était mieux avant, ça pouvait être mieux sur certains points, mais on avait aussi des légumes qui étaient extrêmement amers, qui parfois étaient même un peu toxiques, qui n'avaient pas les... enfin, voilà, il faut bien prendre en compte tout ce travail acharné de génération et de génération d'horticulteurs, de maraîchers, sélectionneurs, qui nous ont permis d'avoir les fruits et les légumes, puisqu'on parle des légumes que l'on a aujourd'hui. Donc ces légumes anciens d'aujourd'hui, ils ont un aspect quand même un peu différent de ce qu'ils étaient il y a quelques siècles. Et vous parliez des chefs qui remettent au goût du jour ces légumes anciens. Nous en avons un au téléphone, le chef 3 étoiles, Régis Marcon, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous, même s'il est loin de nous. Bonjour Régis Marcon. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Vous faites paraître un précieux livre de légumes aux éditions de La Martinière. 65 légumes, 110 gestes techniques et 110 recettes, une sorte de synthèse de ce dont nous avons parlé, puisque vous parlez des topinambours à l'instant, Éric Bialoise, et bien effectivement, vous, Régis Marcon, vous proposez un velouté de topinambours aux graines de quinoa, ce qui rejoint aussi notre amoureux des soupes, Julien Ponce-Blanc. Dites-nous pourquoi c'est un bon alliage, hein, le topinambour avec les graines de quinoa ? Ce que j'ai voulu déjà depuis 4 livres, puisqu'on a démarré il y a déjà quelques années avec les champignons, les herbes, les légumineuses, les céréales, c'est de donner à chacun et à chacune les moyens de faire des recettes où on associe les légumes, mais pas que les légumes, il y a aussi les céréales, les légumineuses, et je ne sais pas nouveau, mais en même temps, quand vous regardez les magazines ou surtout les livres de cuisine quand on se prépare à être cuisinier, on a souvent une protide et un légume. Et là, ce que je voulais dans ce livre, c'est associer, faire vraiment des plats de légumes. Et je croustille déjà l'invité que je viens d'entendre, le poulet frit, forcément, ça n'empêche pas des bons... D'abord, c'est la mémoire qui rentre en ligne de compte et puis des bons compléments. Le poulet frit, c'est extraordinaire quand c'est bien préparé. On parlait, avec des bonnes pommes de terre, bien entendu. On parlait, en vous attendant, et Régis Marcon tout à l'heure, des différences entre soupe, potage, crème, velouté, consommé. Vous en proposez un certain nombre dans votre livre de légumes. Quelle différence faites-vous ? Alors, bien sûr, on est régi, bien que ça change un petit peu, par Auguste Escoffier, qui avait déjà bien délimité, réglé un petit peu ses appellations. Pour être simple, un potage, c'est à base de légumes, bien sûr, c'est mixé. On peut parler aussi de potage taillé quand il est mixé, quand on rajoute, il y a des légumes qui restent entiers. C'est d'ailleurs souvent les potages que je préfère. On parle de crème quand on ajoute tout simplement de la crème et on parle de velouté quand on ajoute, alors là, c'est le summum. Forcément, on n'en mangerait peut-être pas tous les soirs, la crème et le jaune d'œuf, bien entendu. Et puis, à part ça, vous avez les consommés qui sont les bouillons clairs. On peut regarder dans votre livre et déguster un velouté glacé aux fans de radis et ortie. C'est comme une invitation à ne pas gaspiller, je suppose. Et puis pour la saison, le velouté de carottes à l'orange, le velouté de potimarron au curcuma ou encore le potage vélave aux lentilles. Parce que quand même, Régis Marcon, la crème glacée de concombre à la menthe, la crème de courgette à la menthe, lentilles beluga, ça n'est pas vraiment de saison. Or, il faut aussi suivre les saisons, si je vous écoute bien.
comme tous les légumes, je crois que c'est ce qui fait l'intérêt de tous les légumes, c'est qu'on a un regard automatiquement sur la saison, et pour se fier aux saisons, quel est le meilleur moyen? Eh bien, écoutez, moi j'invite tous vos invités à aller au marché, ils le font très certainement, et là où vous êtes près de la nature, ou bah, cultiver votre jardin, tout simplement, c'est encore mieux. Alors, il y a beaucoup d'autres choses hein, dans ce livre consacré aux légumes Régis Marcon, qui donne à la fois des conseils pour cuisiner les légumes, l'origine historique et géographique de chaque légume, qui détaille photos à l'appui les gestes techniques pour blanchir les épinards, ciseler les échalotes ou encore effiler les haricots. Propose également 110 recettes qui excitent les papilles, qui ouvrent l'appétit, comme la déclinaison de betterave à la fleur d'oranger, foie de veau à la lyonnaise ou la blanquette de blette à l'ancienne, trois riz de Camargue ou encore la cricardéchoise de chez vous, ou le tian de courgette à la marjolaine et fleurs de courgette farcie. Mais attention, ça, c'est pas vraiment de saison. Bref, c'est un livre qui donne vraiment envie de cuisiner et de manger, accompagné des deux livres de nos invités du jour. Merci beaucoup à vous, Régis Marcon, d'avoir participé à cette émission ce midi. Si je peux rajouter, c'est aussi une histoire, vous savez, les légumes. J'ai la chance, depuis quelques mois, en dehors de mon travail, de cuisiner pour la cantine de l'école. Et on leur explique les légumes. Et j'ai l'impression de passer un petit peu après les parents qui racontent une histoire pour aller se coucher, pour une petite histoire qu'on raconte comme ça. Et quand on raconte une histoire sur les légumes, je peux vous dire que les yeux s'émerveillent et ils le retiennent. Oui, c'est exactement ce qui se passe aussi quand on lit la petite et grande histoire des légumes d'Éric Bialouès, qui est notre invité du jour. On va peut-être terminer quand même, Julien Ponceblanc, par une, je sais pas, une recette de soupe pour ce midi ou pour ce soir. Alors, peut-être pas la soupe lendemain de fête, hein, c'est pas vraiment d'actualité, mais la soupe coup de fouet de Popeye ou la soupe de la grasse matinée. Oui, alors il y en a une qui me tient un peu particulièrement, qui est dans le début du livre, et qui est la soupe de la grasse matinée. Et je trouve que finalement, ça, c'est assez d'actualité quand même, en particulier pour un dimanche, et peut-être certains auditeurs se sont réveillés en nous écoutant. Donc c'est une soupe avec petits pois, wasabi et pesto d'edamame. On verra dans votre ouvrage Le Journal d'un amoureux des soupes. Et je disais en ce début d'émission que je ferai un tout petit tour d'horizon pour accompagner vos sorties de livres. Tour de table des livres dédiés aux légumes en dehors des vôtres. Il y a les légumes d'hiver de Delphine Brunet aux éditions 180 degrés. Légumes, recettes et techniques de l'école Ferrandi chez Flammarion. Le végétal de William Ledeuil à la Martinière. Flévor de Yotam Ottolenghi chez Hachette Cuisine. Ou encore le potager d'Infrimeur de Xavier Mathias Terre Vivante. Tout cela, nous le mettrons bien entendu sur notre site franceculture.fr. À la page des bonnes choses. Un grand merci à tous les deux d'être venus nous parler de votre amour des légumes et de votre amour des soupes. À très bientôt. Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Benjamin Perru, Sébastien Huel, Kevin Delcourt et Louison Soulignac étaient nos techniciens du jour, accompagnés des équipes techniques du Théâtre de la Ville que nous remercions comme chaque fois que nous sommes ici au Théâtre de la Ville, Espace Cardin. Nous vous souhaitons tous un excellent dimanche à l'écoute de France Culture et dans un instant, ça sera le journal suivi de Signe des Temps par Marc Witzmann. Thank you.